Restons ensemble, je crois en Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Québécois d'origine haïtienne, Eric Preach est danseur et professeur de danse. Il fait ses débuts comme humoriste en 2017. Il a fait ses débuts au Bordel Comedy Club et continue de faire les premières parties du spectacle d'humour de Mike Ward. OK. Moi, dans la vie, il y a juste deux choses que j'haïs, hein? Preach a cumulé les expériences de scène en participant à de nombreuses soirées d'humour et podcasts. Il est co-animateur de deux podcasts. Les Fallopes, un podcast sur l'éducation sexuelle qu'il a développé avec l'humoriste Mélanie Couture, et le podcast Abba and Preach, pour lequel ils ont reçu une plaque les félicitant du nombre d'abonnés YouTube. À ce jour, la chaîne YouTube Abba and Preach a plus de 1,6 million d'abonnés. Parallèlement à sa carrière d'humoriste, Eric Preach a fait ses débuts comme acteur dans diverses séries télé et web. Vous pouvez également le voir dans Patrick Sénécal présente, Top Dog, Étudiant libre et La Reine. En 2021, Preach a gagné un prix Gémeaux pour sa participation à l'écriture du Bye Bye 2020. Il a participé à plusieurs émissions, capsules web et magazines d'actualité pour, entre autres, parler de tolérance, d'inclusion et de l'importance de la diversité à l'écran. Peu importe c'est quoi ta réalité, ben j'ai un peu besoin de ton aide pour qu'on puisse montrer. Moi, je peux juste montrer ma réalité. J'ai besoin que toi, ben, tu montres la tienne. Vous pouvez trouver ces vidéos en ligne avec mon actualité jeunesse et On se fera pas d'amis. Cette année, il animera pour une autre année consécutive le Gala Dynastie. Le gala sera diffusé en ligne le samedi 5 mars. Et pour les curieux, les nominations ont été annoncées il y a deux jours. Décapant, hilarant et authentique, Eric Preach vous fera voir les vraies choses sous un autre jour. Bonjour les lasers! Après une semaine de compétition, voici le progrès de l'équipe Canada aux Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022. Un rappel que vous pouvez passer devant l'animation culturelle si vous désirez consulter le progrès des médailles obtenues par l'équipe Canada où un tableau est mis à jour quotidiennement. Bonne journée! Salut les lasers! Le 14 février, c'est la journée de la Saint-Valentin. Alors, pour la célébrer, vous pourrez porter un chandail rouge, rose ou blanc et le bas de l'uniforme n'est pas nécessaire, mais vous devrez respecter le code vestimentaire. Aussi, il y aura une activité de défi calculaire. 10 calculaires seraient dans votre zone de niveau
qui vous emmènerait vers un Google Form. Chaque bonne réponse est vaut des points pour l'étranger. Participez à Grand Homme les Lazars et bonne journée. Bonjour, nous sommes de retour pour le projet de pâtisserie, mais cette fois-ci, nous le faisons pour la Saint-Valentin. Pourquoi pas? Vous n'avez qu'à acheter des gâteries pour votre crush ou pour vous-même. Qui sait? Cette fois-ci, nous vendrons des cookies et des cupcakes. Les cookies seront à 1$ et les cupcakes sont à 2$. Pour ce faire, vous auriez un formulaire pour placer votre commande sur votre classroom de niveau. Merci de placer votre commande avant le samedi, à cause qu'après, on ne reçoit plus de commandes. Tout ce que vous avez commandé vous sera livré lundi pendant la pause de collation. S'il vous plaît, quand vous passez votre commande, ne mettez pas juste la saveur que vous voulez, mais aussi mettez le montant de cupcake ou de biscuit que vous en voulez. Merci. Alors, bonjour les lasers, le comité de la pastorale vous présente son tout nouveau programme, ça? Évangélise. Évangéliser signifie partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le but de Sam Évangélise sera de vous guider dans votre marche avec Dieu en vous partageant la bonne nouvelle de Jésus et en vous enseignant la parole de Dieu de manière divertissante. En lien avec les différentes thématiques que nous allons aborder, nous vous inviterons à répondre à des questions afin de développer votre connaissance sur la parole de Dieu. Alors, rendez-vous le 14 février aux annonces du matin pour le premier épisode de « Ça m'évangélise ».